La belle famille a créé quelque chose de mauvais. Bonjour, aujourd'hui là on se retrouve pour un debriefing Cannes ouverture Cannes Côte d'Ivoire. Voilà, vous savez, c'est un sujet très alors c'est important qu'on en parle en tant que Camerounais. Vous savez, les Camerounais et les Ivoiriens, c'est un peuple qui se love énormément et qui se titille aussi beaucoup. Ils nous ont promis une canne vraiment très belle et plus belle que celle du Cameroun, même si nous avons reçu le groupe le prix mondial de la meilleure organisation d'une cérémonie qui rassemble beaucoup de nations. Je vous mets le titre. Elle était très très belle, mais on va faire on va partager, c'est à dire on va faire des bestes et on va faire les loss, et voilà, et on va à la fin essayer de comparer un peu avec la canne camerounaise. On va aussi présenter quelques petites animations, je vous assure, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, c'est parti pour 10 ou 12 bonnes minutes de bonne humeur, de partage. Voilà, les Ivoiriens ont marqué. Tout d'abord là, l'animation camerounaise et l'arrivée du Cameroun en Côte d'Ivoire. Je vous laisse en image. Allez, allez les lions indomptables, marchez la tête haute, c'est vous les rois. Voilà, en ce qui concerne les bestes, voilà ce que j'ai trouvé. C'est vraiment, c'était très très beau. Blague à part, ça était très très beau. Essayons de voir ces bestes là, voilà. Et puis on va revenir au loss, et puis on va revenir à la canne camerounaise. Alors à l'ouverture de la canne camerounaise, on y va. Excellent pour José, j'ai adoré. Je suis fan de José. C'est un bête. Voilà, en deux, bon, ils ont une très belle base de travail, c'est-à-dire le beau tableau du début. Belle danse, les Africains s'y retrouvent, même si je trouve quand même que Soro, si je ne suis pas d'accord avec, enfin, on verra dans les Lost. Waouh, super. Ça, c'est super. Voilà, ça j'ai aimé. Voilà, l'idée du pont aussi. Voilà, génial. Même si, bon, on verra dans les Lost. Super. Voilà, super. Voilà, Dad. Ouh, coucoulou. C'est le test. J'ai adoré. Voilà, c'était bien. C'était vraiment bien. Trop bien. Voilà, et puis la tenue du président, il était en tenue de la canne, vive l'Afrique, voilà, j'ai aimé. Voilà, on... Bien que la cérémonie ait été très, très belle, mais il y a eu beaucoup de lost, par exemple, le nom du président qui a été très mal écrit au lieu de Alassane, ça a été écrit Hassane. Il y a eu des trucs un peu comme des fétiches, on avait l'impression que c'est des criquets qui voulaient. Voilà, je vous laisse en image avec des petits montages faits par les jeunes Camerounais. Le grand éléphant est devenu Oumlodophon. C'est le plus slam tag maintenant, c'est photo là. Vous appelez John, ça tue, il a le téléphone. En oignant les fonds et à seul téléphone. La belle famille a créé quelque chose de mauvais. Les adversaires ont créé quelque chose de mauvais. Oh. Toutes les adversaires ont créé quelque chose de mauvais. Oh.
Après les loss, il faut avouer que nous sommes restés sur notre fin. Fin. En fait, on s'est dit, on attendait quelque chose de waouh à la fin. Mais cette chose-là n'est pas arrivée. Et c'est ça qui a tué la cérémonie. Voilà, on va mettre la cérémonie du Cameroun. Vous avez vu le truc, le Cameroun, c'est la classe. Voilà, je vous mets une belle image comparative finale des deux cannes. Et puis, le grand pasteur Makoso va nous dire la vérité. Regardez d'abord vous-même. De l'autre côté, on a l'impression que ce n'est samedi. Pasteur, dis-nous. Le ministère qui a fait le podium là, même à cause je le cherche. Tous les anciens de la Côte d'Ivoire. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de laisser votre commentaire, s'il vous plaît. Soyons gentils. Partagez. Voilà. Je vous envoie des bisous chauds du Cameroun. Voilà.